Alors, l'exercice numéro 11, valse du demi-ton. Alors d'abord, on va apprendre une nouvelle note. Si vous regardez en haut de la page 13, il y a une nouvelle note. C'est un do. Le voilà. Donc, on a les indications. Donc, première case, deuxième corde, premier doigt, donc celui-là. Et on jouera avec le i. Donc, je répète, première case, deuxième corde, avec le doigt numéro 1, et on jouera avec le i à la main droite. Donc, si on résume, vous avez vu le la qui se trouvait, donc, troisième corde, deuxième case ici. Et bien, le do, en fait, il est la case juste en dessous, ici. Là, j'enlève les doigts, là. Lui, ici. Donc, on avait vu quand on faisait la pince, ce qu'on appelle la pince, c'est toujours le la, hein. Enfin la position du la. Enfin, ce que moi j'appelle la pince. Donc, on fait la pince, je vous avais dit, au moment où je vous ai parlé de la pince, je vous ai dit, quel que soit le morceau, on va commencer par ça, on fait la pince, pour la méthode. Donc, je fais la pince, et après je relâche, parce que je veux savoir où je dois placer mon pouce. Donc, je vais appliquer la même méthode. Je vais faire comme si je faisais un la, je lâche, voilà, et j'ai mangé mon pouce qui est en position. Sauf que là, c'est un do que je dois jouer. Donc le do, je vais aller le jouer ici, comme prévu. Mais je n'ai pas lâché mon pouce. C'est-à-dire que le do, il y va tout seul. Il ne va pas avec le pouce. Donc c'est hyper important ce que je vais vous dire là. Je fais la pince et à partir de là, le do, il va tout seul chercher la note. Le 1, il va tout seul chercher la note. Tout seul, c'est-à-dire sans les copains, sans les autres doigts. C'est-à-dire souvent, enfin à 99%, quand les élèves, alors ils arrivent à laisser le pouce en deuxième case. Par contre, ils emmènent tous les doigts. Non. Puisqu'au final, on avait dit qu'on mettait un doigt par case. En fait, le doigt, il doit y aller tout seul. Lui, en fait, il devrait rester au-dessus de la deuxième case, le 2. Lui, il devrait rester au-dessus de la troisième case et lui au-dessus de la quatrième case. Donc, en gros, le 1, il y va tout seul, comme ça. Alors, ce n'est pas facile au début, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout pour les petits. Donc, l'important, pour l'instant, c'est pas laisser le pouce où il est. Alors, après, si vous êtes en train de vous aider comme ça. Parce que pour appuyer, vous allez voir, ça fait un petit peu mal. Alors souvent, les élèves, ils cèdent avec ce doigt-là, ils appuient les deux en même temps. Donc là, toujours pareil, hein, on devrait avoir le pont pour ne pas bloquer le mi. Bon, on ne va pas trop être exigeant, mais en tout cas, c'est ça. Donc vous faites la pince, vous lâchez, et vous essayez de poser le doigt. Donc il y a un exercice à faire en dessous, je m'entraîne, c'est marqué, hein. Donc on va le faire comme c'est marqué. Moi, je commence avec le i, à la main droite, c'est pas précisé, mais vous le faites. Et après, ils vous disent de poser le do et ça fera le 1. Donc, regardez, je fais l'exercice. Refais une dernière fois. Voilà, vous essayez, vous pouvez partir du i ou du m, comme ça vous arrange. Moi, je suis parti du i. Voilà. Donc là, on est prêt pour faire le numéro 11. Et le 11, on va partir du i. Voilà, donc bah avec la musique. Le temps de la mettre en route. Je vais me décaler un peu pour vous voir la main gauche. Voilà. Je le refais en comptant. Si je vous dis que je l'ai fait en comptant, j'ai oublié de le faire en comptant. Pour la peine, je le refais en comptant. Deux.
Donc, alors si vous regardez, je vous avais dit que le petit lapin, des fois, il parlait, hein. Si vous regardez la mesure, l'exercice numéro 11, en fait, le petit lapin, il dit où sont passés index et majeur. Et effectivement, en fait, l'idée, c'est de, on donne le doigt de départ, le i, et normalement, si vous avez bien fait, ben, en fait, vous avez alterné sans que je vous le dise, parce que je ne l'ai pas dit, en plus. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je ne l'ai pas dit. Donc, là, je vous le dis, et c'est à vous de le faire, d'ailleurs. Voilà, donc c'est parti. Donc n'oubliez pas, vous partez avec le doigt que vous voulez dans cet exercice. On va partir avec le i, si possible. Et n'oubliez pas d'alterner. 1, 2, 3.